ولي كون بارل دو ليفر تاع جزائر هوب لي قلت لك باسكو المناسبه هذا راح نحكيو على لا تراث ما عنديش دائما هاد الفرصه هذه باش نحكي على الكتاب تاع جزائر هوب باش نعاود نطلب من المستمعين ديالنا يعاونونا باش يعاونوا جزائر هوب بشراء هذا الكتاب كما علمنا في البدايه بلي المداخيل تاع المبيعات تاع الكتاب هذا راحين نستعملوهم باش نترجموا الكتاب بالعربيه ونترجموه ان شاء الله en anglais. Jusqu'à présent, à peu près, il s'est vendu 100 fois, donc Amazon ou le site Diana Tani, le site Diana Kimal Balkom. Donc, il s'est vendu à peu près 100 fois. 100 fois, le prix Diallo, il fait 25 dollars à peu près. Jazair Hope, il est le tiers, donc il est le tiers. Donc, 100 fois, fois, comme on le 8, 800 دولار 1000 دولار ديزون من المبيعات اللي راح نستعملوهم في الترجمه تاع الكتاب كما على بالكم ما يكفيش دونك سي لا سول مانيير اللي تقدروا تعاونوا بها جزائر هوب بوغ لي جون كي بوف با سامبليكي بيرسونيلمون في البروجي تاع جزائر هوب مادام انا بعث لك كما نقولوا نسخه من الكتاب سي تي اوبورتونيتي ثاني باش تعطينا رايك على الكتاب وتقولي الراي تاعك للمتتبعين ديالنا Si tu veux bien réagir. D'accord. D'abord, je voudrais te remercier de m'avoir fait l'honneur d'être parmi les premiers lecteurs. Ce n'est pas donné à tout le monde, ça, sincèrement, et j'étais très, très touchée. Donc, j'ai lu le livre scrupuleusement et j'ai d'ailleurs contribué un peu à l'intérieur, mais ça, c'est une autre paire de manches. Ce qu'on remarque en premier lieu dans ce livre, c'est qu'il met en valeur les acquis d'un pays, qui a tout de même vécu plusieurs étapes difficiles et des étapes complexes. Qui m'a la guerre de libération, qui m'a les années, la décennie noire, et de quand même taqlo had le bled, mais malgré ça, le kitab y haoul y biyin, y mid le bled hader, le Jazair, nadara ijabiya ou nadara fa'ala. Alors, le livre donne aussi un aperçu global, même pour celui qui ne connaît pas l'Algérie, à travers le livre hader, de l'araf torah ta'a Jazair, de l'araf tarir ta'a Jazair, de l'araf la sociologie ta'a Jazair. Il montre aussi le potentiel touristique, parce qu'il parle beaucoup des villes anciennes, Sahara, les découvertes archéologiques. Et il montre le potentiel touristique et il montre un peu moins, mais quand même, le potentiel économique. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce pays? Bon, je peux dire que c'est un livre patriotique, un kitab watani, bien. Mais ce kitab watani, l'avantage terreau, c'est le brossa, mais il ne masque pas la réalité. Derrière un quelconque sentimentalisme. Il ne fait pas dans les sentiments. Je suis fier. Non. En toute objectivité. C'est plus un livre d'histoire, donc, comme j'ai dit. D'ailleurs, il commence par la préhistoire. Il a un grand aperçu sur la préhistoire avec des auteurs très, très connus et très appréciés qui connaissent bien leur métier. Ce qui. Tout ça fait que c'est un livre de référence. Quand on a un livre de référence, c'est-à-dire qu'on peut le faire dans les jamiats, qu'on peut le faire dans les talabas, les jamiats ou les tests, et tout. C'est une source importante d'informations. Puis, bizarre, fait mal au maître. On y voit un regard anthropologique, un regard sur le patrimoine, la culture, les façons d'être de l'Algérien. Ça nous familiarise avec l'Algérie. Ça crée un lien entre le lecteur et la société algérienne, tout en étant conscient que l'Algérie, ce n'est pas seulement ce qu'il y a dans ce livre, c'est beaucoup plus que ça, mais déjà, il y a une limha chamila, al-Jazair, al-Tarikh, al-Jazair, al-Sociologie, al-Jazair, al-Torah, al-Jazair, al-Thaqafat, al-Jazair, mais al-Jazair, il y a akhtar ma yumkin an yujad fi kitab, ou fil akhir, c'est un livre inclusif, dans le sens où il ne raconte pas une histoire officielle. Il raconte un pays avec toutes ses dimensions. Il présente tout le monde, tout ce qui existe dans ce pays. Il présente la société civile, il présente les intellectuels, il présente les enfants, il présente les adultes, les hommes, les femmes. Et puis, il présente surtout tous ceux qui aiment ce pays, ceux qui croient en lui et ceux pour qui il y a encore de l'espoir et ceux pour qui demain sera peut-être meilleur qu'aujourd'hui. Barakallahu fik, madame. Moi, je rajouterais, Barak, pour dire que
Il est aussi facile à lire parce que chaque objet, c'est deux, trois pages. Mais surtout, c'est quand on l'a conçu, d'ailleurs, sans faire attention, quand la méthode de l'UNESCO, je donne un exemple. Hein, je donne un exemple, c'est que les objets, ils ont été choisis par plusieurs personnes. Et chaque personne a un background différent. Donc, des personnes du nord, des personnes du sud, des personnes de l'est et de l'ouest, des intellectuels, des informaticiens et tout. Donc, ça a fait que le livre, il est vraiment diversifié et il capte un peu la diversité de l'Algérie. Donc, je te remercie encore une fois d'avoir fait un témoignage sur le livre. D'ailleurs, sur le site d'Yana, vous pouvez trouver le témoignage de Louisa Galèze sur le livre, ainsi que les autres personnes qui nous ont fait l'honneur de témoigner sur le livre. Donc voilà, Adéhia, pour aider Jazeera Hope, vous pouvez nous aider en achetant le livre, ou bien sous sa forme digitale, ou bien sous sa forme imprimée sur Amazon.